Salut les pilotes, bienvenue dans cette petite vidéo sur la Update 4 qui est donc la quatrième évolution de Flight Simulator 2020, aussi appelée la 1.16.2.0. Bon, on va l'appeler la Update 4. Hein. Avant toute chose, n'oubliez pas d'aller dans le cache, vider le cache. Ça vaut mieux le faire chaque fois qu'il y a une mise à jour. Une des premières choses, c'est maintenant quand on sauve un plan de vol en fichier PLN, lorsqu'on sélectionne une porte de départ et d'arrivée, il le sauvegarde. Je ne sais pas si vous aviez fait gaffe, mais en fait, il ne le sauvait pas. Donc chaque fois, il fallait aller le rechercher, machin et tout. Voilà. Par contre, il y a toujours ce petit souci, il faut sélectionner dans le menu d'en haut la porte que vous avez choisie. Si vous la sélectionnez en cliquant sur l'aéroport, hop, tout le plan de vol que vous aviez fait, hein, tout le trajet que vous aviez fait, il se remet à zéro. Donc ça marche, mais il faut aller le sélectionner en haut. Ensuite, ils ont augmenté la densité du trafic, quand on met trafic en direct, hein, le véritable trafic, et la bande passante des données météorologiques qui a été réduite. Et après, il y a une petite phrase qui fait que j'ai galéré pendant 3 semaines, c'est « la stabilité du trafic en direct a été améliorée ». Alors, j'avais des coups de lag, j'ai trouvé la semaine dernière, hein, l'histoire, hein. J'avais des petits coups de lag de temps en temps et tout. J'étais sûr que c'était pas des graphismes, c'était des accès. Mais des accès à quoi? En fait, c'était les accès vers le trafic aérien. Ce qui fait que dès que j'ai désactivé le trafic aérien, je l'ai dit dans une vidéo il y a une semaine, je crois, le jeu a été fluide. Oh là, dégoût. Donc, cette petite phrase paraît toute bête, mais la stabilité du trafic en direct a été améliorée. C'est bien, hein. Une chose importante aussi, c'est qu'il y a, alors je lis, hein, il y a eu une amélioration de la phraséologie ATC aux normes de la FAA, mais à libellé uniquement. Vous êtes content que je vous fasse un résumé de tout ça? Non. Putain, quel bordel. Bon, ils ont fait un beau travail aussi sur la météo. Je suppose que sa météo réelle, la glace dégivre progressivement. Les pitotes aussi ont été retravaillées, c'est-à-dire la durée qu'ils mettent à geler ou à dégeler, voilà. Donc ils ont fait pas mal de boulot par rapport à la météo. Ça, c'est le genre de truc, on le voit plus que, vous voyez, c'est pas la peine d'expliquer pendant 4 heures. On s'en apercevra quand on volera, c'est net. Pour ce qui est de tous les avions, la traînée a été rectifiée. Depuis quelques mises à jour, on voit qu'il y a une traînée derrière l'avion. Donc les perturbations aérodynamiques, tout ça, voilà, ça a été encore plus travaillé. Le pilote automatique, dans certains cas, il allait vers un waypoint qu'on avait supprimé, il continuait à y aller. Voilà. Sur la paix, il y a eu pas mal de boulot par rapport à des plantages sur des montées, quand on dépassait les 50% ou les descentes, voilà. Donc là, il y a eu pas mal de travail sur le pilote automatique et sur les traînées, donc plus ou moins la physique des avions, quoi. Un gros travail a été apporté au TBM 930. Alors pour ceux qui ont téléchargé des physiques de TBM 930, pensez à les enlever pour au moins vérifier la différence, quoi. Donc il y a eu beaucoup de travail sur la physique, sur les couples, les consommations, il y a eu un gros boulot là-dessus. Il y a eu aussi sur le Beechcraft King Air 350i, voilà, par rapport au tour minute, tout ça. Donc tout correspond un peu plus à la réalité. Pour les autres avions, il y a eu un gros boulot sur, entre autres, hein, sur l'impact du vent sur l'avion, voilà, ça agit beaucoup plus, les pressions de carburant, et aussi pas mal de petits bugs qui ont été enlevés sur le G3000. Il y a eu aussi la correction d'un bug où le plan de vol ne s'affichait pas correctement dans l'avion si le vol était démarré directement en mode approche. Ça, c'est bien qu'il l'ait rectifié, parce que des fois, pour s'entraîner pour atterrir sur un aéroport, on fait en sorte d'apparaître pas trop loin pour pouvoir travailler son approche, quoi. Donc ça c'est pratique. Beaucoup de mises à jour ont été apportées au mode SDK, hein, lorsque vous mettez en mode programmeur. Voilà, une des choses les plus importantes à mon avis, hein, c'est qu'ils ont mis à jour la documentation.
la documentation correspondait à l'ancienne version et en fait il y a des choses qui étaient expliquées qui n'étaient pas bonnes. Voilà. Donc pour créer des scènes, des choses comme ça, et après il y a une liste assez impressionnante de mises à jour et de rectification de problèmes. On ne va pas dire de bugs, mais de problèmes. En conclusion, on peut dire que cette mise à jour est une véritable évolution, vraiment. Déjà, les menus sont plus fluides, sont plus rapides. J'ai même l'impression que graphiquement, c'est un peu plus fin. J'ai eu cette sensation. Mais alors après, mon ordi me le permet, mais j'ai tout mis à donf. Et vraiment, alors là, c'est fluide. Vous savez, les petits points qu'il y avait dans les nuages, tout ça et tout, ça a disparu. Vraiment là, on a un beau jeu, quoi. Voilà, il y a vraiment moyen de s'éclater. Donc, je ne vais pas passer 4 heures là-dessus. Je vous dis bon vol et lancez le jeu, vous allez voir, il s'est passé quelque chose. Un petit pouce bleu pour Tonton Fredo.